Toussaint 1954. Les Français d'Algérie pleurent leur mort assassinée la veille. La communauté française vient d'être la cible d'une série d'attentats meurtriers. Des hommes, des femmes, des militaires, des civils. Une action violente et concertée. Ce sont les premiers morts de cette guerre qui commence. Elle va durer presque 8 ans. 8 ans d'une violence inouïe dans laquelle 1,5 million de jeunes soldats français vont être projetés. 30 000 n'en reviendront pas. Une guerre qui va provoquer la mort de centaines de milliers d'Algériens. Le déplacement 1,5 million de paysans et la destruction de centaines de villages. Une guerre qui va déraciner près 1 million de pieds noirs de leur terre natale. Entraîner l'abandon et le massacre de milliers de harkis, fidèles à la France. Une guerre qui ne dira jamais son nom et qui provoquera la chute d'une république. Et la naissance de la 5e République. Et pour l'Algérie, l'arrachement de son indépendance. Mais en ce 2 novembre 1954, au lendemain des premiers attentats, une seule question hante les Français d'Algérie. Qui se cache derrière cette insurrection brutale, parfaitement coordonnée et planifiée ? Plusieurs centaines d'hommes vivant dans la clandestinité cachés dans les montagnes de Kabylie et de l'Aurès. Ils sont rassemblés au sein d'une organisation dont les 3 lettres ne disent encore rien à personne. FLN, Front de Libération Nationale. S'ils ont pris les armes, c'est pour gagner l'indépendance de l'Algérie. Ces hommes ont appartenu au courant politique de Messali Hadj. C'est lui le père fondateur du nationalisme qui écrit « Cette terre est à nous, nous ne la vendrons à personne. » Ce combat, il le mène depuis les années 20. Mais c'est le 8 mai 1945 que tout a basculé. Alors que partout ailleurs on fête la victoire, des militaires français traquent les responsables d'un massacre commis dans les villes de Sétif et de Guelma. Ici, dans le défilé qui fête la fin de la Seconde Guerre mondiale, un homme a brandi un drapeau aux couleurs blanches et vertes. Le drapeau algérien. Il a été abattu par la police. En réaction, les manifestants algériens assassinent 103 Français. Les survivants sont sous le choc. Comment oublier ce qu'ils ont vu ? Les hommes ont été émasculés. Les femmes ont eu les seins coupés. Des dizaines de viols ont été commis. À l'agression brutale va répondre la répression aveugle. C'est là, dans les milliers de morts civiles de cette répression, que le nationalisme algérien va se cimenter et puiser la vigueur de son combat à venir. Le général Duval qui commande la répression écrit dans son rapport. Je vous ai donné la paix pour 10 ans, mais il ne faut pas se leurrer. Tout doit changer en Algérie. Sinon, tout recommencera. Le général Duval avait raison. 9 années viennent de passer et rien n'a changé. L'opinion publique a à peine noté que le jour de la Toussaint 1954, 8 Français viennent d'être tués en Algérie. En revanche, le pouvoir politique, pourtant informé par les renseignements généraux d'une action imminente, est comme surpris.
Pierre Mendès France a été nommé président du Conseil au mois de juin pour mettre fin à la guerre en Indochine. En Tunisie, il s'avance pacifiquement vers l'autonomie. Il refuse de débuter une guerre dans un département français, car ce serait une guerre civile. L'Algérie, c'est la France, et non un pays étranger, déclare-t-il à l'Assemblée nationale. Toute la classe politique en est convaincue. Puisque l'Algérie, c'est la France, c'est son ministre de l'Intérieur, François Mitterrand, 38 ans à peine, qui se charge de rétablir l'ordre. Les informations dont il dispose lui font penser que les attentats sont l'œuvre des services secrets égyptiens. La radio du Caire a d'ailleurs annoncé la première, la liste complète des attentats. L'Algérie, c'est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne. Et nous s'attirons de manière implacable, sans autre souci que celui de la justice, et en la circonstance, la justice exige la rigueur, les responsables. La réponse du gouvernement français est donc claire. La répression. En plus des 12 000 hommes déjà présents dans la région, 5 000 soldats sont envoyés en renfort. Leur objectif est de prendre l'insurrection de vitesse, éviter qu'elle ne dépasse le massif des Aurès. C'est là que se trouve le berceau de la révolte. Une région montagneuse, sous-administrée, comme oubliée. Un terrain idéal pour la guérilla. Le 8 novembre, une semaine après les premiers attentats, le dispositif français d'encerclement est en place. Ceux que l'on appelle les Félagas vont être écrasés. Une guerre qui ne dira jamais son nom vient de débuter, se nourrissant comme toutes les guerres de ce qu'elle produit. La violence et l'humiliation. Et ce sentiment couplé à la misère sociale va pousser de plus en plus d'hommes dans les rangs de l'armée de libération nationale, l'ALN. Au printemps 1955, malgré la répression, l'ALN recrute. Elle passe d'une troupe de partisans de 3000 hommes à une véritable petite armée entraînée et structurée. Parmi eux, des soldats de l'armée française d'origine algérienne. Ils ont participé valeureusement aux campagnes pour la libération de la France. Mais meurtris et se sentant trahis par la façon dont la France traite ses soldats indigènes, ils ont préféré déserter et ont rejoint la rébellion. Comme Krim Belkacem. De simple caporal-chef dans l'armée française, il est devenu le chef du FLN en Kabylie et l'un des initiateurs de la Toussaint Rouge. Autant dire que pour la France, c'est l'un des hommes à abattre. Mais cette armée clandestine manque de moyens modernes. Elle ne possède ni char ni avion. Pour exister, le FLN doit impérativement faire connaître son combat dans le monde et obtenir une reconnaissance internationale. Il peut compter sur le président égyptien Nasser, qui soutient sa lutte depuis le début. Avec l'Indien Nehru, Nasser a réuni en Indonésie 29 pays africains et asiatiques. Ils y affirment leur droit d'exister en dehors de tout alignement aux deux blocs qui dominent le monde. C'est la naissance de ce qu'on en appelle le tiers-monde. Contre toute attente, Nasser y fait reconnaître le combat du FLN. Et les 29 pays expriment leur solidarité avec l'Algérie combattante. Pour le FLN, c'est une première grande victoire politique. Mais les hommes politiques de la 4e République ne voient pas la marche inexorable de la décolonisation. En Algérie, ils envoient toujours plus de soldats. Les Français d'Algérie sont rassurés. Leur histoire d'amour avec les parachutistes ne fait que commencer. Ces hommes ont combattu en Indochine. Ce sont des guerriers chevronnés. Mais ils arrivent avec le goût amer de la défaite. Et pour les chefs, la cicatrice encore douloureuse de la débâcle de 1940.
Élie de Saint-Marc, officier au 1er régiment étranger parachutiste, est de cela. Il écrit : Nous n'avons connu que la guerre depuis notre adolescence. Elle est devenue, sinon une habitude, du moins un ennemi familier. Autant dire que pour tous ces hommes, un nouvel échec serait insupportable. La guerre d'Algérie, ils veulent, ils doivent la gagner. La reprise en main n'est pas que militaire, elle est aussi politique. Mendès France vient de nommer un nouveau gouverneur général, Jacques Soustel. C'est lui l'autorité suprême en Algérie. C'est un ancien résistant, un homme ouvert, ethnologue de formation. Partout où il va, il s'adresse aux populations et défend l'idée d'intégration. Pour lui, il est urgent de réformer et de donner aux musulmans les mêmes droits qu'aux Français. Il dit : J'ai une foi profonde dans les destinées de ce pays. Et si on s'en donne la peine, si on le veut, le succès sera au bout de nos efforts. Alors avec l'ethnologue Germaine Tillon, il sillonne le pays et cherche à en comprendre les hommes. Et il comprend. Si l'Algérie, c'est la France, c'est aussi l'Afrique et l'Orient à la fois. C'est un pays immense et plusieurs populations y cohabitent. Les Touaregs, les Kabyles, les Chaouis, les Mozabites et les Juifs indigènes. Les Berbères s'appellent entre eux les hommes libres. Ils sont 9 millions et ont toujours peuplé cette terre. Mais l'Algérie, c'est aussi une population européenne. Depuis 1830, année de la conquête, on fête le 14 juillet. On danse, on pavoise, mais sous les palmiers. Ces gens sont venus de France, d'Espagne, d'Italie, de Malte. Eux aussi aiment passionnément cette terre qu'ils ont contribué à développer et à faire prospérer. Combien de temps ces communautés vont-elles pouvoir encore cohabiter ? Les Européens ne sont qu'un million et vivent principalement dans les villes comme ici, à Alger. D'un côté, il y a la ville française, avec son mode de vie occidental. Et de l'autre, dominant la ville moderne, il y a la Casbah, le quartier musulman. La Casbah, futur bastion des hommes du FLN. Mais ce que Soustelle comprend, c'est que le système colonial a créé une société inégalitaire. Musulmans et Européens ne possèdent pas les mêmes droits. Une séparation insidieuse s'est faite entre les deux communautés. On va à la plage, mais entre soi. Et si les Européens sont en majorité des familles modestes, quelques centaines d'entre eux possèdent les grandes exploitations agricoles. On les appelle les colons. Le rapport de force né de la conquête et de la colonisation ne s'est au fond jamais démenti. Soustel voit aussi la misère. Les bidonvilles. L'abandon de ces populations. 9 Algériens sur 10 ne savent ni lire ni écrire le français. Il sait que ce sont là les ferments de toutes les révolutions. Alors il s'y attaque, en pensant qu'il n'est pas trop tard. Il veut pacifier les zones rebelles en y apportant le progrès. C'est l'ambition des sections administratives spécialisées, les SAS. Il y en aura 700 à travers le pays. Les militaires sont utilisés dans un rôle inhabituel. Le parachutiste en treillis se mêle à la population et devient instituteur.
Il apprend à écrire, à lire, et bien sûr à chanter la Marseillaise. Dans certains villages, on voit pour la première fois un médecin. Là aussi, c'est un militaire. On l'appelle le Toubib. C'est une autre forme de guerre qui débute, celle de la conquête des cœurs. L'objectif, gagner l'affection du peuple, le détourner du FLN. Cette population qui n'a pas encore pris parti en majorité pour l'indépendance est devenue un véritable enjeu. Ce principe de contre-guérilla, les militaires français en ont appris les règles en Indochine. Leur stratégie, la générosité. Leur arme, la main tendue. Mais cette action humanitaire n'est pas sans arrière-pensée. Elle permet de débuter un vaste travail de recensement. Nommer et ficher les individus facilite aussi leur contrôle. Dans ces villages, les militaires vont armer des bénévoles. Ce sont les groupes d'autodéfense. Chaque volontaire reçoit un fusil. Un simple fusil de chasse. Un fusil et une mission. Interdire toute approche des maquisards de la LN. C'est son village, sa famille ou son clan que chacun veut défendre. Mais ce village, c'est encore un coin de France. Et comme dans toutes les guerres, l'étendard doit être levé. Fidèle patriote français pour les uns, traître algérien pour les autres. Les hommes de cette armée improbable, et pourtant si fiers, s'engagent sans le savoir vers leur tragique destin. Été 1955. La politique d'isolement du FLN porte ses fruits. Harcelé par l'armée, coupé de ses soutiens, l'organisation clandestine perd du terrain. Le FLN veut créer un choc. Il cherche à engager une stratégie de guérilla, de harcèlement, dont le but est de déstabiliser la France. Pour cela, il veut atteindre un niveau de violence qui séparera définitivement les deux communautés. À Philippeville, dans le nord constantinois, à la machette, à la hache, au couteau et même à la pioche, des milliers de paysans algériens s'attaquent sans distinction aux hommes, aux femmes et aux enfants. Le plus jeune n'a que 5 jours. Au total, 123 Français sont tués, dont plusieurs dizaines de musulmans modérés. Le choc psychologique est violent, définitif. Le point de non-retour vient d'être franchi. C'était bien l'objectif de certains dirigeants du FLN. Le visage de la guerre d'Algérie se dessine. Sauvage, violent, aveugle. Jacques Soustelle est bouleversé par ce qu'il voit. C'est un autre homme qui quittera l'hôpital de Philippeville. Profondément choqué, il décide de changer de politique. Le temps des réformes est révolu. La répression militaire sera à la mesure du choc.
La haine et la peur se sont installées partout. Il s'y mêle désormais la soif de vengeance des milices civiles que Soustelle cherche à désarmer afin d'éviter l'escalade du sang. Il proclame l'état d'urgence et demande à l'armée de traquer les rebelles par tous les moyens. Les directives officielles reçues par les soldats français sont: tout rebelle faisant usage d'une arme ou étant aperçu une arme à la main sera abattu sur le champ. Le feu doit être ouvert sur tout suspect qui tente de s'enfuir. Cette répression fera 12 000 morts d'après le FLN. Et c'est cette sale guerre qui vient d'être dénoncée à l'ONU. La question algérienne est portée à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Pour le FLN, c'est une victoire diplomatique sans précédent. La France est sommée de s'expliquer. La France ne peut tolérer ni l'injure, ni la calomnie contre son œuvre civilisatrice. Ulcérés, ses représentants quittent la séance. L'Algérie, c'est de la politique intérieure. Ça ne regarde personne d'autre. En France, la guerre d'Algérie est devenue un sujet d'inquiétude pour la population. Elle s'est imposée comme le centre de gravité de la vie politique. Et c'est en faisant campagne pour la paix en Algérie que le socialiste Guy Mollet remporte les élections de décembre 1955. Sa première décision de président du Conseil est de congédier Jacques Soustelle. Les Français d'Algérie ont appris à l'aimer. Ils ont été rassurés par sa fermeté à l'égard du FLN. Alors ils le lui font savoir. Ils sont 100 000 à accompagner et même à vouloir empêcher son départ. Et c'est dans ce moment spontané que les Français d'Algérie prennent conscience qu'ils sont une masse, un groupe, et que cette foule peut désormais peser sur le destin du pays. Et Jacques Soustelle s'en va, cette terre chevillée au corps. Il reviendra bientôt, en ardent défenseur de l'Algérie française. C'est cette même foule chauffée à blanc qui, trois jours plus tard, accueille Guy Mollet. Les Français d'Algérie ne veulent pas du général Catroux, le successeur de Soustelle. Ils se méfient de cet homme qui vient d'accompagner la Tunisie vers l'indépendance. Il défie le pouvoir, ose interrompre la minute de silence et, comble de l'humiliation, lance sur le président du Conseil toutes sortes de projectiles et de tomates. Et la gerbe de fleurs déposée par Guy Mollet ne pèse pas lourd face à leur colère. Une colère et de simples tomates qui vont faire plier la République. Guy Mollet ne montre rien de son trouble, mais il vient de céder. Il demande à Catroux de démissionner le jour même. Les Français d'Alger prennent alors conscience de la faiblesse de la République et surtout de leur pouvoir. Ils seront bientôt en rejouer. À peine rentré à Paris, Guy Mollet nomme un nouveau ministre pour l'Algérie. Robert Lacoste, un ancien résistant de la première heure, membre comme lui de la SFIO, le parti de gauche majoritaire. Guy Mollet demande aux députés de lui accorder des pouvoirs spéciaux.
Le vote est massif. 455 voix pour, communistes inclus. Les pouvoirs spéciaux donnent carte blanche à l'armée avec un seul but. Écraser les maquis de l'ALN. Pour cela, les militaires découpent l'Algérie en trois zones. La première zone est la zone d'opération. C'est là où se cachent les rebelles et qu'ils vont être traqués. Un enfant de 12 ans, Mohand Kefash, décrit ce qu'il voit. C'est devenu routinier. Les militaires arrivent, nous rassemblent et nous interrogent sur les Felagas. Ils crient. Ils menacent de fusiller les personnes qui les cachent ou les nourrissent. Ça dure 2 ou 3 heures. Au début, j'avais peur. Maintenant, j'ai appris à apprivoiser ma peur. On essaie tous de rester impassibles. Et Robert Lacoste, en personne, vient s'assurer que le travail est bien fait. La deuxième zone créée par les militaires est la zone de pacification. Là encore, le ministre vient lui-même armer la population pour qu'elle se défende de l'ALN. On lui fait allégeance, on lui baise la main. Lacoste, l'ancien résistant, n'a pas compris que l'ordre du vieux monde est en train de changer. La troisième zone est la zone interdite. Des villages entiers sont vidés de leur population et parfois entièrement rasés. Le but, couper l'ALN de toutes ses bases arrières. Et la consigne est, exécuter la moindre personne qui traverse la zone interdite. Plus 1,5 million de paysans sont déplacés vers des camps de regroupement. Mais ce déplacement forcé va provoquer l'exode de dizaines de milliers de personnes vers la frontière tunisienne. Les camps de réfugiés font leur apparition, et c'est rapidement la famine qui décime des familles entières. Face à cette tragédie humanitaire, la Croix-Rouge décide d'intervenir. La guerre d'Algérie s'internationalise un peu plus et la France est montrée du doigt. Et pour les plus courageux de ces paysans, une autre route permet de fuir la guerre, l'immigration. Des dizaines de milliers d'Algériens vont ainsi rejoindre la France. Une dernière zone n'apparaît pas dans le découpage militaire. Pourtant, elle intéresse hautement les autorités françaises. Le Sahara. Les ingénieurs viennent de découvrir du pétrole à Assimi Saoud. Cette découverte, maintenue un temps secrète, redistribue les cartes du conflit algérien. Le pays regorge du précieux liquide dont toute société moderne a le plus besoin. Et il n'est pas question de s'en séparer. Pour assurer le quadrillage de ces trois zones, il faut de plus en plus d'hommes. Guy Mollet prend une décision lourde de conséquences. Il engage dans la guerre les appelés du contingent et porte le service militaire à 28 mois. Une éternité. Du jamais vu depuis la mobilisation de 1939. Ils rejoignent les classes de rappelés déjà sur place. 400 000 soldats français seront bientôt présents en Algérie.
Un dernier baiser pour une maman. Un dernier regard pour une fiancée. Un dernier geste avant l'inconnu. La plupart de ces garçons n'ont jamais quitté leur famille. Ils ne sont préparés ni au dépaysement, ni à la guerre. Ma petite maman, ne t'inquiète pas. Le capitaine a été clair. On part pour assurer le service d'ordre, pas pour le casse-pipe. Face à la détresse de la séparation, face à la peur de cette terre inconnue, face à l'angoisse des questions sans réponse, on se rassemble. On prie. Et la nef du navire peut bien remplacer celle de l'église. Dans la guerre, l'homme cherche toujours à mettre Dieu de son côté. Pour ces jeunes Français, l'Algérie est en train de devenir une réalité. Tous si différents et déjà si semblables, rassemblés par la crainte dans une même humanité, bientôt frères d'armes et de misère. Ce soir, à l'écoute du journal parlé ou télévisé, vous posez la même question. Quelles sont les nouvelles d'Algérie ? La même question que je me pose aussi à chaque heure. Qui de vous, qui de nous n'a un fils, un fiancé, un mari, un parent, un ami là-bas? La volonté du gouvernement, c'est que le sang ne coule plus en Algérie. Parmi ces garçons qui débarquent à Alger le 4 mai 1956, se trouvent 19 appelés de moins de 25 ans venant de la région parisienne. Ils n'ont plus que 14 jours à vivre. Sur cette route de montagne qui s'accroche aux gorges de Palestro, leur section va tomber dans une embuscade tendu par l'armée de libération nationale. Ils sont tués en moins d'un quart d'heure. C'est la première réponse du FLN au vote des pouvoirs spéciaux. En France, l'émotion est immense. Des jeunes meurent pour cette terre lointaine. Guy Mollet avait promis la paix. Il a plongé dans la guerre totale. Et c'est François Mitterrand qui se retrouve de nouveau en première ligne. Mais cette fois-ci comme ministre de la Justice. Des dizaines de combattants algériens ont été emprisonnés et condamnés. Et l'État doit se montrer inflexible. Mitterrand refuse la grâce d'Ahmed Zabana, un militant du FLN condamné à mort. Le 19 juin 1956, il est exécuté. C'est le premier condamné à mort politique guillotiné. Les Algériens en font un martyr de la Révolution. 112 autres prisonniers politiques seront exécutés durant le conflit. La guillotine va devenir une véritable arme de guerre. De son côté, le FLN adresse une deuxième réponse au gouvernement français. Une réponse politique. Le 20 août 1956, il organise en Kabylie un congrès clandestin. Ses principaux chefs s'y retrouvent pour unifier les différents courants nationalistes. Ils annoncent la création du Conseil national de la Révolution algérienne. Ce doit être l'unique interlocuteur des négociations futures. Car dans le plus grand secret, Guy Mollet a entamé des pourparlers avec le FLN.
Pour torpiller ces négociations, certains officiers français décident d'une opération spectaculaire. Ils détournent vers Alger un avion marocain transportant des leaders du FLN. Les négociations secrètes sont interrompues et Guy Mollet est mis devant le fait accompli. Le pouvoir politique ne se situe plus en France, il se déplace à Alger entre les mains des militaires. Et l'armée est fière de cette prise de guerre. Comment imaginer que ce chef rebelle que l'on envoie en prison deviendra dans 6 ans le premier président de la République algérienne? Son nom, Ahmed Ben Bella. Affaibli politiquement, Guy Mollet doit reprendre l'initiative. Il décide d'engager le combat contre le président égyptien, le colonel Nasser. C'est le gouvernement égyptien qui fournit des armes tirées de ses arsenaux et en organise le transport. C'est le gouvernement égyptien qui poursuit systématiquement dans ses centres d'instruction militaire, ses écoles de commandos et de sabotage, la formation des cadres de groupes armés algériens. Avec ses alliés britanniques et israéliens, la France se lance dans l'expédition de Suez. L'objectif officiel est de libérer le canal que l'Égypte a nationalisé. Mais le pouvoir a un but caché. Éliminer Nasser. Alors que les para-français se rapprochent du palais présidentiel, ils reçoivent l'ordre de cesser le feu. L'opération de Suez vient de tourner au fiasco politique. Les Russes et les Américains se sont entendus pour obtenir le rembarquement des troupes franco-britanniques et ont obtenu une condamnation à l'ONU. Pour la seconde fois, la question algérienne est inscrite à l'ordre du jour. Face au monde des nations, la France se retrouve isolée. L'intention de France de résoudre le problème de l'Algérie en permettant aux Algériens de faire un choix libre à propos de leur futur. En Algérie, pourtant, la France continue de parader. L'armée accueille comme un proconsul son nouveau chef, le général Salan. C'est le militaire le plus décoré de France. L'une des grandes figures de la guerre d'Indochine, stratège de la guerre subversive, il s'exprime peu, ne tolère aucune contestation. Même Robert Lacoste s'avoue impressionné par le charisme et l'autorité de Salan. Salan a un objectif, gagner sur le terrain militaire en écrasant définitivement le FLN. Pour cela, ils mettent en place un étau qui ferme totalement le pays. Les frontières avec la Tunisie et le Maroc sont entièrement électrifiées et truffées de 3 millions de mines. Les passages qui permettaient l'acheminement des armes et la circulation des rebelles sont désormais hermétiques. En mer, c'est toute la côte méditerranéenne qui est surveillée par la marine nationale. Les dernières livraisons d'armes sont interrompues. L'ALN, traquée partout, est asphyxiée. Ces hommes se sont repliés sur Alger. C'est désormais là, au cœur de la plus française des villes d'Algérie, qu'ils vont mener la guerre. Yassef Saadi, le chef du FLN à Alger, l'affirme. C'est à Alger que tout doit maintenant se passer. Face au premier mort du terrorisme,
Robert Lacoste prend une décision radicale. Il fait appel à l'armée pour maintenir l'ordre et investit le général Massu des pouvoirs de police. Lui aussi a combattu en Indochine. C'est un ancien des forces françaises libres, fait compagnon de la libération par le général de Gaulle. Le 7 janvier 1957, avec le colonel Bijard, il prend possession de la ville avec ses 8000 parachutistes. Immédiatement après, en guise de réponse, trois explosions ravagent des cafés fréquentés par de jeunes Français. Ce sont trois femmes qui ont déposé les bombes. Il y a quatre morts et une soixantaine de blessés. Deux jours plus tard, le FLN décide de démontrer son soutien dans la population. Il lance un appel à la grève générale. L'appel est entendu. Alger ressemble à une ville morte. L'armée reçoit l'ordre de briser la grève. Le soutien populaire au FLN ne doit pas être visible. En quelques heures, Massu redevient le maître de la ville. Les parachutistes sont partout. Ils quadrillent la ville, fichent, contrôlent, fouillent, avec une attention particulière pour les femmes. Ils savent que le FLN les utilise pour poser des bombes. C'est dans la Casbah, où vivent des centaines de militants du FLN, que la répression est la plus vigoureuse. L'armée vous parle. Vous savez que des éléments extrémistes tentent de semer l'agitation dans votre ville. Ne vous laissez pas emballer par ces individus. Les hommes de Massu ratissent. Chaque ruelle, chaque maison, chaque terrasse. À défaut d'être coupable, tout le monde est suspect. Ces hommes sont expédiés vers ce que les militaires nomment des centres de transit et de triage. Des lieux d'interrogatoire où en réalité se pratique la torture. Comme ici, à la Villa Cécine. Les interrogatoires se font à coups d'électricité, de simulacres de noyade, de supplices en tout genre. Le but est d'obtenir des renseignements par tous les moyens, dans l'idée de prévenir les attentats. Il y en a eu plus d'une centaine pour le seul mois de janvier. Passer cet escalier, les opérateurs ont cessé de filmer. Mais l'absence d'images, de traces, ne doit pas signifier l'amnésie. La torture est une réalité de la bataille d'Alger, l'une de ses armes les plus sinistres. Des caméramans est-allemands ont filmé le moment d'après. Quand le choc physique est devenu choc psychologique. L'usage de la torture et des exécutions sommaires provoque un profond malaise dans l'armée. Si certains acceptent de faire le sale boulot, d'autres officiers refusent. C'est le cas du général de la Bollardière, qui démissionne et qui écrit. La torture dégrade plus celui qui l'inflige que celui qui la subit. La torture, elle se généralise à tout le territoire. À Constantine, le ministre Lacoste installe un nouveau préfet sur lequel il peut compter, Maurice Papon. L'ancien résistant décore l'ancien fonctionnaire de Vichy. Papon couvre la mise en place des DOP, les détachements opérationnels de protection. Leur spécialité, les arrestations, les rafles, les interrogatoires. Et à Paris, le général Massu et ses paras peuvent défiler triomphalement sur les Champs-Élysées,
Leurs méthodes sont couvertes par l'autorité politique. Car pour eux, les résultats sont là. Le nombre d'attentats a chuté. 112 bombes en janvier, 39 en février, puis 29 au mois de mars. À Alger, malgré la violence des derniers attentats, comme celui qui ravage le casino de la Corniche et qui fait 9 morts, les arrestations s'enchaînent. Tant chez les poseurs de bombes que parmi les chefs du FLN, qui tombent les uns après les autres. Jusqu'à l'ennemi public numéro 1, Yassef Saadi, trahi par des militants que l'armée a su faire parler. Les réseaux FLN sont détruits. Des milliers d'Algériens ont été arrêtés. Plus de 3000 d'entre eux sont portés disparus. On ne les retrouvera jamais. La bataille d'Alger est terminée. Mais cette victoire s'est faite au prix d'une grave crise morale. Alors que la question de la torture divise la France, les Français d'Algérie, eux, retrouvent une vie normale. Mais une autre guerre ravage la population musulmane. Celle que livre le FLN à son rival nationaliste, le mouvement national algérien dirigé par Messali Hadj. C'est une guerre fratricide. Son but ? L'hégémonie politique. Le FLN veut être l'unique interlocuteur de la France. Pour cela, il se montre impitoyable. Le 28 mai 1957, une unité de l'ALN massacre 374 habitants du village de Melouza. Ils étaient considérés comme des sympathisants de Messali Hadj. Partout, l'émotion est considérable. D'autant plus puissante que les autorités françaises ont convoqué sur place la presse internationale. La tragédie devient propagande. Son impact en France est immédiat. Des dizaines d'immigrés algériens originaires de Melouza rejoignent leur pays. Certains choisissent de s'engager dans les sections de harkis de l'armée française. Là encore, caméras et micros fixent et diffusent les motivations de ces hommes en colère. La propagande. Le FLN l'utilise aussi de son côté. Il a un besoin vital de reconstituer son armée. Depuis la fermeture des frontières, ces hommes se sont repliés au Maroc et en Tunisie. Cette armée des frontières est parfaitement organisée. Les hommes y reçoivent une solde, du matériel et des armes venant d'Égypte et du RSS. Ils y reçoivent aussi une formation politique solide et un entraînement militaire complet. Les renseignements militaires estiment à 10 000 le nombre de combattants algériens installés à la frontière tunisienne dans le village de Sakiyet, Sidi Youssef. Ils y vivent, avec leurs familles, mêlés à la population tunisienne et à des réfugiés abrités par une mission de la Croix-Rouge. C'est de ce village que partent régulièrement des attaques contre des unités françaises. Le 11 janvier 1958, une embuscade de l'ALN a tué 14 soldats. En représailles, le général Salan est bien décidé à frapper l'armée des frontières. Robert Lacoste l'autorise à exercer ce que les militaires appellent un droit de poursuite. Le 8 février 1958, 11 bombardiers de l'armée de l'air décollent. Des dizaines de kilos de bombes sont lâchés sur le village, l'école, la mission de la Croix-Rouge. Le bilan est très lourd. 75 civils sont tués, dont 21 enfants. 150 personnes sont blessées. «
La Tunisie porte plainte contre la France et fait projeter ses images à l'ONU. Toute la communauté internationale condamne. C'est un véritable désastre pour l'image de la France, qui ne peut plus justifier une opération de maintien de l'ordre. Le gouvernement français est emporté par le drame de Sakiyet. Durant un mois, les députés sont incapables de former une majorité. En pleine tourmente, la France n'a plus de gouvernement. La 4e République est en train de s'effondrer. Un homme observe tout cela depuis sa retraite de Colombey-les-Deux-Églises. Charles de Gaulle. Il a 67 ans, n'exerce aucun mandat électoral et semble s'ennuyer dans sa retraite entre cérémonies commémoratives de son glorieux passé et dédicaces de ses mémoires de guerre. Il sent que l'heure est venue. Plusieurs de ses fidèles sont à la manœuvre. Jacques Chaban-Delmas dirige le ministère de la Défense, le général Massu commande l'armée à Alger et Jacques Soustelle. Pourquoi est-il revenu brusquement en Algérie ? Quelque chose semble se préparer en coulisses. Le 13 mai 1958, alors que Robert Lacoste a été convoqué à Paris, une foule inquiète se rassemble pour rendre hommage aux quatre appelés du contingent assassiné par le FLN. L'armée apparaît comme la dernière autorité capable d'incarner le pouvoir. Appuyés par des parachutistes, les Européens d'Alger prennent possession du siège du gouvernement. Alors que la France n'a toujours pas de gouvernement, à Alger, la République se disloque. La voie est libre pour les généraux Massu et Salan. Et le militaire le plus gradé de France peut s'installer dans le fauteuil de Robert Lacoste, juste devant la statue de Marianne. Avec Massu, il crée un comité de salut public censé diriger l'Algérie. À Paris, les hommes politiques sont informés des événements d'Alger. Dans un réflexe républicain, les députés tentent de stabiliser le pouvoir et désignent un nouveau président du Conseil, Pierre Fimelin. Mais de l'autre côté de la Méditerranée, en apparaissant au balcon du siège du gouvernement, les généraux confirment aux yeux de tous que l'armée a définitivement pris le pouvoir en Algérie. Et son armée qui est et qui demeurera l'élément moteur de cette rénovation. Un pouvoir sans aucune légalité. Les chefs militaires réclament un pouvoir fort, autoritaire, stable. Ils veulent un homme au-dessus des partis, un homme providentiel. Et ils font acclamer le général de Gaulle. C'est à Alger, sur les braises brûlantes de la guerre, que le destin de la France est en train de se jouer. Depuis 4 ans, la France est engagée en Algérie dans une guerre qui ne dit pas son nom. L'opinion publique, hélas, des violences et des exactions. Le pouvoir politique s'est épuisé dans le conflit. À Alger, les militaires ont réussi leur coup de force. Et c'est la République qui se trouve désormais menacée. Le 28 mai 1958, c'est le 9e gouvernement qui tombe, victime de son impuissance à agir en Algérie. Monsieur le Président, quelques mots, s'il vous plaît. Ainsi, mon gouvernement se trouve affaibli. En conséquence, j'ai présenté ma démission. Le même jour, 200 000 personnes manifestent à Paris à l'appel des partis de gauche. Ils refusent que sous la pression de l'armée, la République soit livrée à un ancien général. Un général prestigieux mais qui n'est pas un élu du peuple. Le fascisme ne passera pas, peut-on lire dans la foule. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Eh bien, en ce moment, le général de Gaulle pourrait définir la journée à un endroit que pour l'instant on ignore. De Gaulle sait qu'une majorité de Français croit aussi à l'homme providentiel. Enfin tacticien, il ne se prononce pas vraiment sur la question algérienne. Les Français et toute la classe politique sont pourtant suspendus à ces décisions. Voici la première réaction après l'audition du discours du président de la République. Puis-je vous demander ce que vous en pensez ? Oui, je l'ai parfaitement entendu, d'un bout à l'autre. Le 1er juin 1958, l'Assemblée nationale lui accorde sa confiance. De Gaulle a posé ses conditions. Les pleins pouvoirs pendant 6 mois et l'avènement d'une nouvelle République dont il veut écrire la Constitution. Les Français qui redoutent une guerre civile sont en majorité soulagés. Pour tous, De Gaulle va mettre fin à la guerre d'Algérie qui dure depuis 4 ans. Et pourtant, en devenant le dernier président du Conseil de la 4e République, Charles de Gaulle s'avance vers 4 nouvelles et terribles années de guerre. Immédiatement après son investiture, de Gaulle se rend en Algérie. Les artisans de son retour au pouvoir sont là. Le général Salan, le fidèle Soustelle, et Massu, le compagnon de la Libération. Et s'il peut compter sur ses fidèles, à leur tour, ils veulent compter sur lui. Il faut garder l'Algérie à la France. Ils sont des centaines de milliers à le lui demander. Européens, militaires, civils et certains musulmans. Une véritable fraternisation aux motivations parfois opposées. Vous avez voulu faire. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants. Il n'y a que des Français à part entière avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Cela signifie qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. De Gaulle vient de faire un pas historique. Un pas que la France n'a jamais fait en 130 ans de colonisation. Donner aux musulmans les mêmes droits et les mêmes devoirs qu'aux Français. Faire d'eux des citoyens à part entière. Imaginer avec eux l'avenir et reconnaître leur dignité. L'avenir. Les enfants d'Algérie qui jouent au même jeu vont-ils fréquenter un jour la même école ? Construiront-ils le même pays ?
De Gaulle veut faire évoluer l'Algérie. Mais comment? En donnant les moyens de vivre à ceux qui ne les avaient pas, leur a-t-il dit. Les moyens de vivre, la dignité, la citoyenneté. Ce rêve de paix, un enfant d'Algérie l'a fait. Il s'appelle Albert Camus et il écrit « J'ai choisi l'Algérie de la justice, où les Français et les Arabes s'associeront librement. » Mais pour l'heure, comme tous les Européens d'Algérie, Camus est inquiet. Quel avenir pour cette famille, présente depuis 5 générations? Leur petite fille Manon fête ses 4 ans. 4 ans, l'âge de la guerre. Comment imaginer qu'avec ses parents, ses frères, ses cousins, ses voisins, ses amis, elle quittera bientôt ce pays tant aimé. Un instant pris de court par les propositions de Gaulle, le FLN lui donne une réponse spectaculaire. Pour la première fois, il décide de porter la guerre en France et fait sauter les réservoirs pétroliers de Mourepiane. Le pétrole, tout un symbole. Les Français stupéfaits découvrent que la guerre d'Algérie peut les atteindre directement. Le même jour à Paris, un inconnu tire sur Jacques Soustelle. Encore un symbole. Celui qui est devenu le ministre de l'information du général de Gaulle échappe de peu à la mort. Et à travers lui, c'est le pouvoir que l'on veut atteindre. Ces attentats vont provoquer une sévère répression policière contre la communauté algérienne. Ils sont 250 000 à vivre en métropole. La Fédération de France du FLN compte 80 000 cotisants alors que sa rivale du MNA, le Mouvement National Algérien, en totalise 20 000. Ils fournissent des armes, au maquis et de l'argent, parfois sous la contrainte. Trois semaines après l'attentat de Mourepiane, le FLN envoie à De Gaulle un message politique. Il proclame la création du gouvernement provisoire de la République algérienne, le GPRA, et désigne son président, Ferhat Abbas. Ancien député, il a été déçu par les promesses non tenues de la France. Il va s'employer à gagner des soutiens internationaux, comme ici, auprès du roi du Maroc. Il veut aussi unifier les courants nationalistes pour faire de son gouvernement l'unique interlocuteur des négociations pour l'indépendance. Il écrit « Nous ne sommes pas les ennemis de la France. Au contraire, nous souhaitons la coopération sur des bases nouvelles dès que nous aurons obtenu l'indépendance. » L'indépendance. De Gaulle y songe-t-il déjà? Pour l'heure, il prépare sa grande œuvre. L'avènement d'une nouvelle république que le peuple doit approuver par référendum. Pour l'opinion publique, l'équation est simple. Voter oui, c'est voter pour la paix en Algérie. C'est ce qu'on explique aux populations qui vont s'exprimer pour la première fois. Vous devez tous participer aux différents votes et pour cela, vous inscrire sur la liste électorale. Or, il s'agit bien d'approuver une nouvelle constitution pour la France. Et elle va donner au président de la République d'immenses pouvoirs. Il s'agit du destin de la France. C'est pourquoi le pourcentage que doit obtenir le oui sera d'une importance immense. Le 28 septembre 1958, partout en France et en Algérie, on vote. La grande révolution, c'est que tous les Algériens musulmans peuvent s'exprimer. La pleine citoyenneté leur est accordée enfin. Et pour la première fois de leur vie, les femmes musulmanes ont le droit de voter. Alors malgré les pressions du FLN qui dénoncent le référendum, la population algérienne participe massivement à la consultation.
c'est un triomphe personnel pour De Gaulle. 95% de oui en Algérie et près de 80% en métropole. La France vient d'entrer dans la 5e République. De Gaulle a les mains libres. Il peut mettre en place le plan dont il n'a parlé à personne. Il veut négocier avec le FLN. Proposer une solution fédérale. Une association entre les deux pays. Il est prêt à cette concession à une seule condition. Garder le Sahara. C'est là que se trouve la matière première des sociétés modernes. Le pétrole qu'exploitent deux compagnies d'État. Les futurs groupes Elf et Total. Pour être en position de force en vue des négociations, il cherche à rallier la population musulmane. Pour cela, il lance un grand plan de développement économique, le plan de Constantine. Cette transformation féconde, il faut absolument qu'elle s'accomplisse. Et aussitôt, on verra l'espérance refleurir partout sur les terres de l'Algérie. Logement, emploi, salaire et redistribution des terres. Le plan de Constantine valorise les Algériens musulmans et veut affaiblir le FLN. Les partisans de l'Algérie française y trouvent aussi leur compte. Et si la France investit autant en Algérie, l'équivalent de 18 milliards d'euros, ce n'est pas pour l'abandonner demain. Devant la race des hommes, aujourd'hui, il n'y a que deux routes, la guerre ou la fraternité. En Algérie, comme partout, la France, pour sa part, a choisi la fraternité. Et le plan de Constantine n'oublie pas le pétrole. Plusieurs ports, comme celui d'Arzeux, sont transformés en terminaux pétroliers directement reliés au port de Fos-sur-Mer. L'indépendance énergétique de la France est au cœur de la stratégie de De Gaulle. 20 jours plus tard, il dévoile son jeu. On peut, si l'on veut, continuer des attentats, jeter des grenades dans des marchés. Je laisse à l'avenir le soin de déterminer à quoi cette lutte aura pu servir. Les hommes de l'insurrection ont combattu courageusement. Que vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. Contre toute attente, le chef de l'État vient de s'adresser aux hommes du FLN d'égal à égal. Mais Ferhat Abbas ne transige pas. Il rejette la paix des braves. Pour lui, ce serait une capitulation. Et il le redit, nous n'avons qu'un objectif. L'indépendance. Cet appel au dialogue avec le FLN a jeté le trouble chez les Français d'Algérie et dans l'armée. De Gaulle le sait. Et comme personne ne doit s'opposer à la réalisation de son plan, il n'hésite pas à changer les chefs militaires partisans de l'Algérie française. Officier, sous-officier, gradé, je quitte mon commandement après 25 mois passés auprès de vous. Maintenant, portez fièrement le drapeau de la patrie et montrez au monde que l'Algérie, c'est la France. L'Algérie, c'est la France. C'est avec l'idée de ce combat à mener que le général Salan s'en va. De Gaulle a ordonné sa mutation. Il fut pourtant l'un des artisans de son retour au pouvoir. La désillusion gagne les militaires. Mais en bon soldat, Salan accepte et ne laisse rien paraître. Et sur ce bateau qui l'emporte vers la métropole, derrière les sourires de circonstance, pense-t-il déjà au putsch contre le pouvoir qu'il mènera dans quelques mois et à l'OAS qu'il fondera par la suite, et dont l'objectif sera tuer De Gaulle. De Gaulle veut concrétiser la paix des braves. Pour cela, il ordonne la libération de 7000 prisonniers du FLN. Mmh.
Il fait également libérer Messali Hadj, le chef du MNA, placé en résidence surveillée depuis de nombreuses années. Le président de la République a pris des décisions véritablement énergiques. Et ce n'est là qu'un prélude de la véritable solution du problème algérien. S'il cherche l'apaisement politique, De Gaulle désire aussi la victoire militaire. Il s'engage avec brutalité dans la guerre, avec toujours le même objectif, affaiblir l'adversaire en vue des négociations. C'est le plan Challe. Le général Challe, le nouveau chef de l'armée en Algérie, dispose de 400 000 hommes, d'hélicoptères, de chars et de moyens de communication modernes. Un véritable rouleau compresseur face aux 60 000 maquisards de l'ALN. Dans cet écrasement programmé, le pouvoir a autorisé l'utilisation d'une arme terrifiante, interdite par les conventions internationales. Les militaires l'appellent les bidons spéciaux, mais son vrai nom est le napalm. Les unités de l'ALN, les Katiba, sont coupés de leur commandement. Affamés, traqués, les hommes finissent par se rendre. Et c'est parmi ces combattants que l'armée recrute des milliers de harkis qui désormais se battront contre leurs propres frères. Parmi eux, les hommes du célèbre commando Georges. Composé de 150 anciens combattants de l'ALN, le commando est placé sous les ordres du colonel Bijard. Par leur connaissance intime de l'ennemi, ils vont être d'une efficacité redoutable. Le général Challe écrit à leur sujet. Le français de souche nord-africaine est le meilleur chasseur de français de souche nord-africaine. De Gaulle est-il en train de gagner la guerre? L'armée de libération nationale est considérablement affaiblie. 10 000 de ses hommes ont été arrêtés et placés dans des camps d'internement. Et 20 000 maquisards sont morts au combat, dont plusieurs de ses chefs. Parmi eux, Ami Rouche, qui commandait l'ALN en Kabylie et que les militaires surnommaient Ami Rouche, le terrible. Son corps est volontairement montré à la population et à la presse, comme le signe d'une victoire inéluctable. Cette victoire, les soldats français en sont-ils fiers? Si les appelés du contingent s'interrogent, les soldats d'élite ont le sentiment de la mission accomplie, du travail bien fait. Et le temps d'un bivouac, malgré la violence donnée et la violence reçue, malgré la torture qui s'est généralisée, les guerriers redeviennent des hommes. Et ils en sont convaincus. Leur combat était le prix à payer pour garder l'Algérie française. C'est de cette incompréhension que va naître la rupture entre De Gaulle et une partie de son armée. Et c'est pour leur parler que De Gaulle revient en Algérie. Il se fait pédagogue et explique: la victoire militaire ne signifie pas la victoire de l'Algérie française. Elle permet de négocier en position de force face à un ennemi affaibli. De Gaulle est résolu à sortir du bourbier algérien, qui isole la France et consomme une grande partie du budget de la défense. Il déclare: l'Algérie de papa est morte. Si on ne le comprend pas, on mourra avec elle.
Durant ce voyage, De Gaulle s'est forgé une idée. Dès son retour à Paris, il veut la soumettre à l'opinion. Le 16 septembre 1959, l'Élysée annonce une intervention du chef de l'État sur l'unique chaîne de télévision. À l'exception de son premier ministre, Michel Debré, personne ne sait ce qu'il va dire. Je m'engage à consulter les Algériens dans leurs 12 départements au sujet du destin qu'ils veulent adopter. Je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. L'autodétermination. Un vrai coup de théâtre. Les leaders du FLN sont pris de court. Ils ne saisissent pas le tournant qui vient de s'opérer et demeurent inflexibles. Ce qu'ils veulent, c'est l'indépendance. Chez les Français d'Algérie, c'est l'angoisse. Il n'y a plus d'ambiguïté. Le président de la République donne aux Algériens le droit de trancher. L'association avec la France ou la sécession. De plus, De Gaulle vient d'ordonner la mutation du général Massu, jugé trop critique. Comme Salan, il avait participé à sa reconquête du pouvoir. Comme lui, il se sent trahi par celui dont il fut un fidèle compagnon de route. Et les Français d'Algérie ressentent aussi cette trahison, car Massu est leur héros, le vainqueur de la bataille d'Alger. Voici le message qu'il fait lire à ses troupes. Vous ne pouvez être moralement l'armée d'une sécession. Vous vous battez pour que l'Algérie demeure française. Je sais que vous obéirez. La défiance entre une partie de l'armée et le pouvoir politique est consommée. Et le départ de Massu provoque un grand mouvement de révolte. Le 24 janvier 1960, les partisans de l'Algérie française entreprennent le siège d'Alger. Ils croient encore au poids politique de la foule qui a fait tomber une république. La peur et le désespoir vont se transformer en un affrontement entre Français et gendarmes. Une première fusillade fait 20 morts et 150 blessés. Des Français s'entretuent en Algérie, comme les premiers signes d'une guerre civile. Mais au bout d'une semaine, l'insurrection s'essouffle. L'armée et une partie de la population n'ont pas soutenu le mouvement. Certains activistes s'enfuient. D'autres sont arrêtés, comme Pierre Lagaillarde, député d'Alger, qui fondera plus tard l'OAS. Ce que l'on appelle désormais la semaine des barricades a révélé l'antigaullisme des Français d'Algérie. Alors qu'en métropole, l'opinion publique soutient son président. De Gaulle fait réaliser un sondage qui le conforte. 70% des Français approuvent sa politique. Ils en ont assez de cette guerre. Et le chef de l'État savoure une autre victoire. En ce début d'année 1960, il fait accéder la France au rang de grande puissance nucléaire. La dissuasion est sa nouvelle politique de défense. Le 3 février 1960, à Reggan, dans le Sahara, a lieu le premier essai nucléaire français. Le Sahara, décidément un bien précieux. De leur côté, les leaders algériens cherchent de nouveaux soutiens dans le monde. Parmi ces soutiens, les jeunes nations africaines, anciennes colonies de la France. Leurs voix vont compter pleinement lors du prochain vote de l'ONU.
et la Chine. Pour la première fois, le drapeau algérien y reçoit les honneurs et l'hymne algérien y est joué officiellement. Je remercie et je salue le valeureux peuple de Chine dont l'immense courage. L'Algérie, toujours département français, est considéré comme un État. Et Mao reçoit Ferhat Abbas comme son chef. Et les soutiens gagnent aussi la France. De nombreux intellectuels s'impliquent pour l'indépendance. Comme Jean-Paul Sartre, qui écrit « Personne n'ignore aujourd'hui que nous avons ruiné, affamé, massacré un peuple de pauvres pour qu'il tombe à genoux. Et il est resté debout. » À l'automne 1960, s'ouvre le procès du réseau Janson. C'est le procès des porteurs de valises. Des militants de gauche qui ont transporté de l'argent au FLN. 15 Français sont condamnés à 10 ans de prison. Et malgré cette répression sévère, 121 personnalités françaises signent un manifeste pour le droit à l'insoumission. Le 9 décembre 1960, De Gaulle revient pour la dernière fois en Algérie. Dans moins de 4 semaines, va avoir lieu le référendum. C'est un voyage aux très hautes tensions. Car les partisans de l'Algérie française l'ont compris. De Gaulle est en train de les lâcher. Dans les quartiers européens d'Alger, ceux que l'on appellera bientôt les pieds noirs laissent éclater leur colère. Mais dans la Casbah, c'est le contraire. La population musulmane est en liesse. On ose brandir le drapeau algérien, exprimer son soutien au FLN et son désir d'indépendance. Pour la première fois, le petit peuple musulman d'Alger fait son irruption sur la scène publique. Il s'approprie à son tour les rues des villes pour crier lui aussi ses opinions. Dès le lendemain, la joie des uns et la rancœur des autres vont entrer en collision. Alger se transforme en une ville assiégée. De l'ordre réprime. La Casbah est entièrement bouclée. La guerre a fini par gagner les populations civiles et à les projeter au cœur de l'affrontement. Certains ultras de l'Algérie française, réfugiés sur les toits et les balcons, tirent sur les musulmans qui s'aventurent dans leur quartier. Durant 5 jours, d'une violence urbaine sans précédent, Alger la Blanche est devenue Alger la Sanglante. Près de 200 musulmans y ont perdu la vie. Les Européens d'Algérie comprennent que le rapport de force est définitivement inversé. Malgré la répression et les arrestations, les Algériens veulent être maîtres de leur destin. C'est dans ce climat de tension extrême entre les deux communautés que le 8 janvier 1961 se déroule le référendum. Une seule question est posée en Algérie comme en métropole. Êtes-vous pour l'autodétermination en Algérie ? Une seule question, une seule réponse. Mais un enjeu considérable.
c'est le destin de l'Algérie et de tous ses habitants qui se jouent en un vote, et chacun en a bien conscience. L'opinion publique est prête. Plus de 75% de oui en métropole, près de 70% d'Algérie. Ces résultats sans appel poussent les ultras de l'Algérie française à agir. Pierre Lagaillarde, l'un des leaders des émeutes des barricades, a échappé à la justice et trouvé refuge dans l'Espagne du dictateur Franco. Il a rejoint un autre jusqu'au boutiste, le général Salan, interdit de séjour en Algérie sur ordre du président de la République. Ensemble, ils créent un mouvement contre-révolutionnaire et terroriste, l'OAS. L'organisation de l'armée secrète dont l'objectif est de maintenir l'Algérie française. Le 21 avril 1961, le chef de l'État reçoit son homologue sénégalais, Léopold Sédar Senghor. Ils assistent à la Comédie française à une représentation de Britannicus. Britannicus, ou la tragédie du pouvoir. Vous avez vu 100 fois nos soldats en courroux porter en murmurant leurs aigles devant vous. Tout autre se serait rendu à leur discours. Mais si vous ne régnez, vous vous plaignez toujours. Au même moment, à Alger, le rideau se lève sur une autre histoire. Les bérets verts du premier REP s'emparent du palais du gouvernement, de l'aéroport, de l'hôtel de ville, de la radio. Français et Françaises, de toutes origines et de toutes confessions, l'armée vous parle. L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouvelez. Depuis 5h35, très exactement, toutes les communications téléphoniques et télégraphiques avec la métropole. Au petit matin, les généraux Challes, Zeller, Jouot et Salan, arrivés secrètement, prennent possession du siège du gouvernement. C'est le premier acte du putsch que ces hautes figures de l'armée mènent contre le pouvoir politique. L'armée s'est rendue maître du pouvoir en Algérie. Les généraux, je n'ai pas entendu de l'air, je n'ai absolument rien entendu d'anormal. Devant le danger d'un coup d'État, De Gaulle décide d'appliquer l'article 16 de la Constitution, lui conférant les pleins pouvoirs. Le soir, il revêt son uniforme de général pour parler à la télévision. Un pouvoir insurrectionnel s'est établi en Algérie par un pronunciamento militaire. Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Ils ne voient et ne connaissent la nation et le monde que déformés au travers de leur frénésie. Leur entreprise ne peut conduire qu'à un désastre national. Le jour même, à Paris, des bombes ont explosé Gare de Lyon et à l'aéroport d'Orly. C'est l'OAS qui signe ces attentats. Tout semble converger vers un coup d'État. Le gouvernement craint une prise d'assaut des parachutistes sur la capitale. Des avions sont prêts à lancer ou à déposer des parachutistes en divers aérodromes afin de préparer une prise du pouvoir. La guerre d'Algérie est en train d'emporter la France entière dans sa tourmente. Pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, Paris est investi par des chars d'assaut protégeant les hauts lieux de la République. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens soit employé partout pour barrer la route à ces hommes-là en attendant de les réduire. J'interdis à tout Français et d'abord à tout soldat d'exécuter aucun de leurs ordres. Les Français font bloc derrière leur président.
C'est le destin de la République qui est en train de se jouer à Alger. Et ce destin est entre les mains des 400 000 militaires et appelés du contingent. Quel sera leur choix? Vont-ils suivre les officiers putschistes? La très grande majorité des soldats profondément républicains refusent de participer au coup d'État. Et sans eux, rien n'est possible. Le putsch tourne au fiasco. Et si le général Schall se rend, Salan, lui, prend la fuite. Il retourne à Madrid, d'où il va continuer sa lutte désespérée. À la tête de l'organisation de l'armée secrète, Salan peut compter sur ses 3000 partisans pour ouvrir un nouveau front. La France va désormais vivre au rythme des attentats de l'OS. Désormais, des Français tuent aveuglément d'autres Français. Et la guerre s'est déplacée de l'Algérie vers la métropole. Dans le viseur de l'OAS, la presse, la justice, les policiers, des ministères, des personnalités politiques comme André Malraux, dont le bureau est détruit, ou François Mitterrand, dont le domicile est visé. Jusqu'au premier des Français. Le 9 septembre 1961, à Pont-sur-Seine, un attentat manque de tuer le président de la République. La bombe a sauté, mais quelques secondes trop tard. Entre Salan et De Gaulle, c'est désormais une lutte à mort. Les Français excédés craignent le basculement dans une guerre civile. Charles de Gaulle redoute que les violences des manifestations d'Alger ne gagnent la capitale. De plus, de nombreux policiers ont été la cible d'agressions menées par les membres du FLN. Pour maintenir l'ordre, il peut compter sur le préfet de police de Paris, à qui il vient de remettre la croix de commandeur de la Légion d'honneur. Maurice Papon. Il lui donne des consignes strictes. Aucune manifestation algérienne ne sera tolérée. Le préfet décide de soumettre les travailleurs nord-africains à un couvre-feu. Ils n'ont plus le droit de sortir après 20 heures. Pour dénoncer cette interdiction, 30 000 manifestants algériens quittent les bidonvilles de Nanterre et Gennevilliers où ils vivent pour se rassembler à Paris. Le préfet Papon ordonne la dislocation de la manifestation. Une rumeur annonce la mort de plusieurs gendarmes. C'est une manipulation destinée à provoquer une réaction violente. Et un vent de folie s'empare des forces de l'ordre. Vous voyez pas que la police française, elle va me taper dessus. Ils marchaient sur les femmes, sur les gens, ils les tapaient. Il y avait des messieurs qui étaient blessés, puis il y en avait qui étaient morts. Comble des violences. Des Algériens sont jetés dans la Seine. Les autorités françaises reconnaîtront officiellement 2 morts. En réalité, il y en aura près d'une centaine. Le palais des sports est réquisitionné pour parquer les 12 000 personnes arrêtées cette nuit-là. Et dès le lendemain, des centaines de manifestants sont expulsés vers l'Algérie. La nuit tragique du 17 octobre 1961 sera longtemps occultée de la mémoire française, alors qu'en Algérie, elle deviendra un jour de commémoration nationale. À la fin de l'année 1961, l'annonce de l'ouverture officielle de négociations entre le FLN et le gouvernement français va radicaliser un peu plus l'OAS. En Algérie et en France, c'est une explosion de violence. Pour le seul mois de janvier 1962, ce sont plus de 800 attentats qui sont perpétrés, faisant plus de 500 morts et 1000 blessés. La France a totalement plongé dans l'enfer du terrorisme.
L'OAS tente de tuer Jean-Paul Sartre en plastiquant son appartement. Puis André Malraux, le 4 février 1962. Cet attentat va blesser gravement une enfant de 4 ans, Delphine Renard, qui perd la vue. L'image de cet enfant publiée dans la presse provoque une émotion immense, un écœurement qui va pousser l'opinion publique à réagir. Trois jours plus tard, à l'appel des syndicats et des partis de gauche, les Français manifestent contre les violences de l'OAS et pour la défense de la République. Très vite, sur ordre du préfet Papon, la police charge. Des manifestants tentent de se réfugier dans la station de métro Charonne. 9 d'entre eux sont tués par étouffement et fracas du crâne. Le choc est profond dans l'opinion publique. 1,5 million de personnes se rassemblent pour les obsèques des victimes de la station Charonne. C'est dans ce contexte de très grande tension que le 7 mars 1962 s'ouvrent les négociations entre le gouvernement français et le représentant du FLN. Ils se réunissent dans la station thermale d'Évian-les-Bains. C'est Krim Belkacem, ministre de la guerre du GPRA, qui conduit la délégation algérienne. Et c'est Louis Jox, ministre de l'Algérie, qui représente la France. Durant 11 jours, les deux parties discutent pied à pied et débouchent sur un compromis. Le cessez-le-feu immédiat pour tout le territoire et la mise en place de l'indépendance par référendum. La France pose deux conditions. La protection des populations européennes d'Algérie et le droit d'exploiter le Sahara pendant 6 ans. En contrepartie, le FLN obtient la poursuite du plan de Constantine, c'est-à-dire l'achèvement de l'aide économique de la France. L'accord est signé le 18 mars 1962. Le FLN a obtenu satisfaction. Il a arraché l'indépendance, conservé l'unité de l'Algérie en gardant le Sahara, et il est devenu l'unique interlocuteur de la France. Le matin même de cette signature, 197 attentats sont commis en Algérie. L'OAS vient de s'engager dans un dernier combat, fou, désespéré. C'est la politique de la terre brûlée. Durant 3 mois, l'organisation met l'Algérie à feu et à sang. De son côté, le FLN réplique. C'est le début d'une série d'enlèvements de civils français. Alors que la guerre semblait s'achever, de nouveau c'est l'engrenage. De nouveau la terreur. À Alger, le 26 mars 1962, l'OAS organise une grève générale et un grand rassemblement. Soudain, tout dérape. La rue d'Isly s'embrase. L'affrontement entre Français et gendarmes fait 46 morts et 200 blessés. Un traumatisme. Des Français s'entretuent en Algérie. Les pieds noirs ont compris. Pris en étau entre toutes les violences de l'OAS, celle du FLN et l'indépendance à venir, ils n'ont plus leur place dans ce pays qu'ils aiment tant. Il faut partir, quitter sa terre natale.
ces centaines de milliers de Français abandonnent tout. Leur pays, leur maison, leur travail et leur mort. C'est un aller sans retour vers cette France que la majorité d'entre eux n'a jamais connue. En plein exode, un attentat de l'OAS détruit la tour de contrôle de l'aéroport d'Alger dans le but de clouer les avions au sol. Les départs sont un temps interrompus. Et pourtant, il faut partir. Tous les moyens sont bons, y compris les embarcations de fortune, les bateaux de pêcheurs. Les autorités françaises ne sont pas préparées à un tel exode. Plus d'un million de personnes en quelques semaines. Mon mari est resté en Algérie. On ne sait pas s'il est mort ou il est vivant. On ne peut pas trouver de mots pour exprimer exactement ce qu'il y a. Moi, je suis dans la rue. Je vais à droite, à gauche, on me loge comme ça. J'ai aucune ressource. J'ai une cousine qu'elle m'héberge. Et ils ont toujours opté pour la France. Mais malheureusement, la France n'opte pas pour nous en ce moment. En plus du sentiment de trahison, d'abandon, de lâchage, les pieds noirs se heurtent à l'improvisation de leur retour et à l'incompréhension d'une partie des Français. Monsieur Dame, si vous voulez. Oui, madame, votre dossier là. Oui, madame, votre dossier. Attendez, voyons, je vais les rejoindre pour vous. Ces blessures et ces pertes vont cimenter une identité singulière qui ne pourra jamais vraiment faire son deuil du paradis perdu. L'immense, sauf qui peut, les pieds noirs, va s'intensifier avec l'ultime référendum proposé aux Algériens, celui sur l'indépendance. Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant coopérant avec la France? Telle est la question unique, directe, sans ambiguïté qui est posée en Algérie. La réponse, elle aussi, est sans ambiguïté. 6 millions de votants répondent oui et à peine 16 000 répondent non. L'indépendance est approuvée à 99%. Le 3 juillet 1962, le général de Gaulle reconnaît l'indépendance de l'Algérie. Les pouvoirs exécutifs de la France sont officiellement transmis au président de l'exécutif provisoire, Abderrahmane Farès. Pour l'armée française aussi, c'est le temps du départ. Comme en Indochine, le sang versé, les sacrifices, les exactions. Tout cela paraît bien vain désormais. Pour ces hommes, à qui on a beaucoup demandé, il faudra vivre avec les fantômes, les morts, les cauchemars. Et puis il y a la honte, celle d'abandonner à un sort tragique ses troupes de supplétifs. Certains officiers vont réussir à évacuer vers la France les harkis et leurs familles. Ils le savent. En Algérie, ils sont voués à la vengeance. De Gaulle, pourtant, va ordonner leur désarmement. Il craint en effet que l'OAS ne récupère les harkis dans ses rangs. Et c'est un télégramme classé secret, signé par le ministre de l'Algérie, qui interrompt les évacuations. Demande à haut commissaire de rappeler que toute initiative individuelle tendant à installer en métropole des Français musulmans sont strictement interdites. Avisez tout chef SAS et commandant d'unité. Après l'indépendance, des dizaines de milliers de harkis vont être massacrés par le FLN, qui les considère comme des traîtres. C'est l'une des profondes et douloureuses cicatrices de cette guerre qui s'achève. Côté algérien, le bilan humain est lourd. 400 000 personnes ont été tuées en 8 années de guerre et 1,5 million de paysans ont été déplacés. Côté français,
c'est toute une génération qui restera marquée. 30 000 appelés du contingent ont été tués. Des milliers d'autres reviendront avec de graves séquelles. L'impossibilité même de pouvoir en parler. Des centaines de militaires de carrière démissionneront de l'armée. Pour la France, la perte de l'Algérie met un terme définitif à sa période coloniale. Une république nouvelle a vu le jour. Et la France, désormais, se construira à travers son ambition européenne. L'indépendance de l'Algérie est officiellement proclamée le 5 juillet 1962. Alors qu'à Oran, la guerre connaît ses dernières convulsions avec l'enlèvement et le massacre de centaines de Français. Partout ailleurs, c'est une liesse immense. Durant 5 jours, les Algériens fêtent la naissance de leur nation. Et c'est à l'issue d'une lutte sévère au sein des différents courants du FLN qu'Ahmed Ben Bella devient le premier président de la République algérienne. L'ancien adjudant-chef de l'armée française, emprisonné de 1956 à 1962, est accueilli à l'ONU, où sa jeune nation est officiellement reconnue. Au nom du peuple algérien et de son gouvernement, il m'est agréable d'exprimer à votre assemblée nos vifs remerciements pour le vote unanime qui vient de consacrer notre admission dans la grande famille des Nations Unies. La dure épreuve que notre pays a traversée ne saurait laisser dans nos cœurs ni haine, ni ressentiment. Désormais, le drapeau algérien flotte parmi les pays du monde. Et l'Algérie dispose d'une voix à l'ONU. C'est l'aboutissement de tous ces combats et la fin d'une guerre que la France mettra 40 ans à nommer. « 37 ans après, l'Assemblée nationale française a enfin admis à l'unanimité que la guerre d'Algérie était bien une guerre. » C'est vrai que ce matin, le travail de l'Assemblée nationale est un peu exceptionnel. Puisqu'on va qualifier l'histoire. Oui, mettons fin à l'hypocrisie latente qui se cachait sous les mots d'événement, de maintien de l'ordre ou de pacification, rompons avec un tabou de notre temps. Enfin, oui, enfin, la République ose assumer pleinement son histoire, avec ses gloires, mais aussi avec ses erreurs. En 1954, donc, c'était bien une guerre que la France avait engagée en Algérie. Ainsi, nous inscrivons dans notre droit aujourd'hui la reconnaissance de la guerre d'Algérie. Aucun peuple, aucune société, aucun individu ne saurait exister et définir son identité en état d'amnésie. Et la réalité, la grande réalité, c'est que la fin tragique de l'histoire commune depuis 1830 entre l'Algérie et la France fut une guerre. Elle n'a pas seulement mis fin à plus de 130 ans de colonisation, mais elle fut aussi, à bien des égards, une déchirure.